Couleur, on est de retour sur Lies of Pi. On avait avancé dans la grande exhibition, on n'avait pas trop lutté pour l'instant, mais on avance tout lentement. Capacité, mobilité. Hein. 8000. Ah, excusez-moi. Bon, YouTube. Un petit goût de tout. Dernière VOD, c'était sur Grounded. Ah oui, donc j'ai des trucs à faire ici. Changer le bras de Légion, fabriquer le bras de Légion. Pandémonium. Oui, hop. Mais on sait très bien que je vais me focus sur l'égide. Ah, parade de garde. Lorsqu'il vous reste un emplacement de fab, vous pouvez parer en appuyant sur la touche fable. Ok. Ah, il y a des attaques qui ont l'air intéressantes en vrai. Vas-y, parade de garde 2. Et le petit quartz. Mercredi, la sortie du dernier épisode. Enfin, du dernier épisode. Du sixième épisode, mais du dernier épisode de la dernière partie de la VOD du live de JDR. Et je rappelle, ce samedi, live JDR avec tous les copains. On continue notre aventure. Cette fois, promis, il n'y aura pas de bite qui s'évadera pour tuer des gens. Littéralement. Alors, j'en étais récupération des accumulateurs de pulsations renforcées 2. Et donc là, je suis obligé de prendre un autre. Ouais, voilà, un autre des derniers, quoi, de ceux qui restent. Qu'est-ce qui me fait le plus chier? Attaque de coup de grâce, attaque des arts de fable, attaque d'armes renforcées. Attaque d'armes renforcées, c'est déchargé. Attaque de stupéfaction des embuscades. Augmente la durée des effets des arts de fable. Augmente les dégâts de destruction infligés aux ennemis lors d'une garde parfaite réussite. Ah! Ça, en vrai, ouais. De ouf. Et récupération des accumulateurs de pulsations renforcées niveau 2. Et j'imagine phase 4, phase 5. Ah ouais. Rien à me dire, papy. Et comment est mon nez? Vous ne pouvez pas utiliser cela maintenant. Ok. J'ai rien ramassé pour améliorer ma faucille. Là. Oh si! Oh, je peux la passer niveau 2. Plus 29 de dégâts. Let's go. Et ça, la bobine électrique. Vas-y, niveau 7, c'est parti. Hop. Retour à la galerie Orandini. Bon, faut que je refasse tout le chemin. Jusqu'au tramway, au moins, normalement, ça devrait aller. Marrant cette petite note de mort. Tout là-bas, on n'est pas allé là-bas. Hein. Calmez les papys. J'améliore mon endurance, vraiment c'est la crise. Ah là là. Putain, robot de merde.
Ça c'est pas une marionnette, pour moi c'est vraiment un robot dérivé de Blitzcrank, il y a beaucoup trop de fans. Ah ouais, ça sert à rien que j'aille là en fait, y'a rien. Donc je suis allé dans la bonne direction de base en fait. Ok. Ok. Bon bah vu que j'ai fait ça pour rien. Hop. C'est vrai que, alors attendez, dans mes trucs à faire. Trou égout c'est fait. Trou bibliothèque. Trésor cimetière. Ah trésor cimetière toujours pas. Hein, je l'ai effacé. Moi c'est des trucs. Gaz galerie. J'ai quand même quelques trucs dans mon agenda à faire. Bon, un peu plus de dégâts, ça va être cool. Un petit 30 de dégâts en plus. Je commence à devenir mon arme de prédilection. C'est vrai que quitte à me battre avec une arme qui fait pas de dégâts électriques, et qu'il faudrait que. Mettre un truc plutôt. Ouais mais ça c'est bien ça, ouais sinon je peux. Je retire ça et je me mets. Mobilité. Mais attends mais. Je suis en mobilité. Attends mais j'ai eu ça quand? Attends mais j'ai gagné des médailles là. Augmente l'obtention des gargots en éliminant les ennemis. Voilà, mobilité 4. J'avais pas. C'était technique 4. Attends, j'ai un truc de mobilité 4. En vrai, oui, mais non. Augmente la vitesse de récupération. Augmente l'ergot. Augmente la vitesse de. Alors, en même temps, j'ai envie de faire plus de dégâts aux marionnettes, quoi. Il me faudrait un emplacement d'amulette en plus, quoi. D'amulette. Non mais oui t'as un Pokémon. Voilà. Ah ah. Je me marre. Qu'est-ce qui me suit jusque là? Personne ne se réveille. Mais c'est marrant, il n'y avait pas un ennemi ici. Je suis perdu. Ah non, il est là. Hop. Ah merde, petit sac à merde. Putain. On est humains tous ensemble, enfin moi non mais vous le savez pas. Pas se soutenir entre humains, hein. Faut être des sacs à merde. On sait maintenant que je vais avoir des problèmes, de ce que j'ai compris. Une petite entrée en scène de nouveau. Ouais, ça manquait. Excusez-moi, comment il s'appelle dans. Dans Full Metal Alchemist. Excusez-moi. Armstrong. C'est Armstrong putain.
C'est complètement Armstrong. Armstrong, mais c'est de ouf lui. Bon, il a une moustache en tuyau, mais... Général Armstrong. J'ai fauché sa vie. Calibre de Légion, parfait. J'ai même pas utilisé... Ok, il me faisait un peu peur, mais son moveset est très agréable à affronter. En même temps, tu me diras, une fossile contre des coups de poing... Il y a peu de chance. J'ai pas compris, c'est un humain ou... J'ai l'impression, je pense que c'est Victor. C'est lui Victor. J'imagine, j'ai pas vu son nom. Victor le... C'est lui, c'était lui. Attends, le grand champion, c'était lui. Attendez. Affiche, journaux. Victor, ouais, c'était ça. Résurrection, ok. On lui a mis des putains de liquides dans les veines. Aïe, aïe, aïe. D'apprivisionnement de crates robustes. Oh. Ah ouais. One giant step for tomorrow. J'aurais bien aimé tous les petits bambas. Mais on ne peut pas. Putain, c'était. Ça, c'est parti en couille. Vraiment, on a essayé de soigner les zombies. Le problème, c'est qu'ils sont tous transformés en zombies, en fait. En vrai, le Stargaze, hein. C'est un boss, ça, là-bas. Ouais, c'est un boss. Gribouillage froissé de Baptiste. Les cœurs d'Ergo connectent les esprits sur une même longueur d'onde. Ok. D'abondance transparente où le mensonge n'existe pas. Est-ce la nouvelle réalité ou une prison forcée? Peut-être que je ne vais pas pouvoir penser librement. Rire dans ma tête. Ou partir. J'ai tué du monde là ici? Ah oui, il y a eux, c'est vrai. Viens petit. Je vais aller voir. Est-ce que la madame est partie? Il m'a dit de vaincre Victor, mais Victor, normalement, c'est bon, je l'ai eu là. Ok, attendez, je vais aller revoir la madame. Elle est au dernier étage, si je me souviens. Non? Bah non. Elle était où? J'étais au dernier étage, mais j'utilisais un échelle pour la... Non, pour passer par le dernier étage. Ok, je vais. Timothée Chalumet n'a jamais les cheveux mouillés. Tes cheveux, même sous averse, restent secs. Incroyablement secs. Bonjour. C'était pas Victor. Ok, c'était pas Victor. Je vais quand même aller au Star. Je vais quand même aller. Hein. C'était porté vers. Je vais quand même aller. Ah bah tiens, il faut que je récupère mes pommes en plus. Mes pièces pommes d'or.
Les pommes de la pièce. Ouais, 2 secondes. J'ai Go Excellent ne marche pas. D'accord. Ah, c'est quand j'ai fait ma save de Windows. Ok. Merci. Alors, j'ai une boboîte pour toi. No matter what fate brings serving her, welcome to... Une boîte d'approvisionnement robuste. Alors, qu'est-ce que tu vends maintenant? Oh, tu vends un quoi? Oh, tu vends des... Ouf! 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 Ah ouais, c'était robuste! Amplificateur alchimique, et ça, la croissance des fruits de pièces d'or. Ouais, je m'en fous. En vrai, le quartz. En vrai, le quartz, pierre de lune de sombre. Pierre de lune sombre du contrat. Ah ouais, putain, trop bien. Si en économisant un peu encore, j'allais mettre mon quartz. Je peux, je vais déjà pouvoir monter niveau 3 le ma petite fossile là. Putain, j'aurais su qu'il y avait une telle arme. Qu'est-ce qui ajoute emplacement de ceinture? Bof. Vraiment, y'a rien qui m'intéresse, quoi. J'imagine que si je peux aller dans la phase 4. Ajout d'emplacement de ceinture, oui, pourquoi pas. Plus d'utilisation du cube, pourquoi pas. Ouais, emplacement de ceinture, allez, vas-y, emplacement de ceinture. Survie, dégâts réduits si déchargé, 10 millions de regards de charge réduite. Résistance spéciale renforcée, 10 millions de dégâts réduits si déchargé, ouais. Et l'autre, j'avais pris quoi, la justice? Effet de consommable augmenté, pierre organisée spéciale augmentée, perte d'ergo réduite après la mort 1. Ouais, effet de catalyseur de fable, effet de chargeur de légion renforcé. Renforce l'effet de charge du chargeur de légion. Force l'attaque de bras de légion lorsqu'il reste plus de la moitié de la légion. Ouais. On force l'attaque de stupéfaction des attaques chargées. Ouais. Vas-y. Ça me donnait quoi le truc d'avant? C'était pas les amulettes. It's time for an apple. Attendez, est-ce que le petit chat est là? Il y a un petit chat. Oui, petit chat. Il est pas là. Donc j'imagine que ça c'était Armstrong low cost et que là on va affronter Armstrong le vrai. Je suis perdu. Je suis du père. Une pièce de plus. Allez, let's go. Affronter Victor, je présume. J'attends que ça que de me faire démolir le Fiakos par le champion, le héros de la ville, se téléporter. Pardon. Allez, on est parti. Ils peuvent pas prendre l'échelle de toute façon. Donc ça va être vite réglé. Hop.
A plus dans le bus, hein. Mon dieu. Non, je suis comment... C'est un humain? C'est un mi-humain, mi-marionnette? Mi-mati? Victor, je présume. Ah, c'est Armstrong, mais Adred. Ok. Deux rentrent, un seul ressort. Oh, le DBZIS. Putain, c'est un rasta blanc. Wouh! Vas-y, viens, ma gueule. Ok, enchanté Victor. Il était un peu vénère parce que je l'ai traité de rasta blanc. Touloun, 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 touloun. Donc ce n'est pas une marionnette. Dans le cas où ce n'est pas une marionnette, peut-être qu'il faudrait que je change mon amulette. Est-ce que c'est une semi-marionnette? Ah, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense. Non, il monte pas. Si c'est pas une marionnette, ça me sert à rien. Je me mets temporairement mobilité 4. Histoire d'augmenter bien mes PV, ma puissance. Oh, je sais pas, si j'ai quoi de... Ah, je l'ai pas mis, ok, d'accord. Mettre de force. Attends. Force, patience. Et anti-fracture, il est très bien. Hein. Très bien contre ce qu'il est en train de me... Contre ce qu'il veut me faire le... Open your eyes. Gaze upon the new world. Par contre, là j'ai utilisé un coup. Ok.
Ah, je me suis fait. Oh, le sac de patates. De bénisse. Ah, il y a une phase 2, ah, mais bien sûr. Non, c'était pas drôle. Pour ça qu'il prenait aussi peu de dégâts. Ah, et Mr. Ben Armstrong. Je ne suis. Ah, il est beau. The new world belongs to us. Ouais, il me restait plus grand chose, mais ok. Ah oui, j'allais dire combien de morts, on en a deux. Un petit mood Duels of Fate, la musique. Qui n'est pas pour me déplaire. Une quelle heure, hein ? 20h49, ok, on a une heure pour se le faire. Tout va bien. Vas-y, Victo. Le Falcon Punch là? Vas-y, viens, mon petit. J'ai complètement oublié mon compteur de mort. J'avais fait ça. Je l'ai pas activé. On peut les compter. On peut compter mon nombre de morts. Allez, on se rajoute une vingtaine de morts. Dans mes 4 heures, déjà, je n'y arrive pas. Je reviens vers 21h. Mais il est 21h. Il est 21h dans 8 minutes, quoi. Tu fais partie de ce genre de personne qui arrive à s'endormir en moins de 8 minutes? Bah écoute, bonne nuit, Sheka, au cas où. Des bisous. Tout, tout. Allez, round 3. Non. Round 4. Il dort déjà, en fait.
Comment va Zéla? Fatigué encore en train de faire des hors sup. Ah ouais? Ça fait un moment que t'en fous de ça là. Ah, la chorégraphie, je l'ai pas. C'est ma quatrième banque, on va dire 184. C'est compliqué sur mon projet, je solo carry un peu. Ah! Je vois. Ce genre de projet. Le moment où tu fais des TD au lycée et... Et celui qui fout rien, celui qui fout tout. Celui qui essaie de faire des trucs mais qui fait en sorte que ça soit pire. Il fait des trucs mais il fait pas les bons trucs. Oula! Ah, j'ai oublié ça moi. Non, j'ai mal géré mon esquive. Trop greedy. Aussi dans le VR hein. Ça va les frames d'invulnérabilité, tranquille quoi. De la moule là. J'oublie toujours le dernier. D'accord. Mais bon, j'en fais clairement plus. Par nécessité. Mais résultat, tu peux pas dire aux gens d'en faire plus pour toi. D'en faire plus. Si t'en fais plus, t'as pas une possibilité de commandement. En disant ouais, bah écoute, c'est pas bien que vous m'aidiez un peu plus. Mais t'es peut-être pas. Ouais. Moi aussi.
Surtout si tu t'en sors pas et que tu galères un peu quoi. Le coup de pied dans ma face là. J'ai fini pour ce soir. Je sais plus de manière de niveau, je sais pas contractuellement. Ah ouais. Fais gaffe à pas te faire marcher dessus, hein. Mais ensuite. Ça serait pas un boss de type si je lui fais trop de stupéfaction, il se booste. Est-ce qu'il y aurait pas cette mécanique là? Parce que ça fait deux fois où la phase 2 elle arrive sur une stupéfaction. Ça pourrait être intéressant. Non, vous en pensez quoi? Ah, ça pourrait être probable. Hein. Ah, c'était. Je vais me faire karma, pour cette humiliation que je lui ai infligée. C'est de sortir le bouclier, mais un peu. Tiens, j'ai fini Baldur's Gate 3 hier. Je crois que j'avais votre stream en fond pendant que je finissais le jeu. Pendant qu'on était en train de se faire allumer le fiac par un boss niveau 9, qu'on a fui. Loin. Félicitations pour ta première run. Nous, on viendra à bout du jeu un jour.
One day. Mais la mécanique là, on va passer du temps à mon avis avec la mécanique là sur la mécanique de la lampe là. En coop, quel plaisir. C'était un enfer. C'était un enfer, ça m'énervait au plus haut point. Je vais être trigger pendant toute la période où on va être dans cette zone. Ah. Quand c'est pas moi, surtout que moi ça m'arrive, je galère à aller suivre. Ah le bâtard. Des fois il met pas de double coup de poing. Je suis l'élu. L'élu de quoi? Oh, il en fait trois des fois. Ah, est-ce que si je fais une stupéfaction, une deuxième stupéfaction? C'est la deuxième? Non, c'est la première ça? Oh, je sais plus. Ah, j'ai l'impression que je m'étais fait un film et... Non, non, c'est pas aucun rapport avec la stupéfaction. On va tranquille. Oh non. Oh non, c'est inutile ce que je viens de faire. Calme-toi mon loulou. Ah ouais, j'ai oublié, maintenant il fait ça en phase 2. What? En deux, ça change quoi? De dégâts? J'hésitais à vous backseat justement pour ne pas avoir à scotiner à la lampe. Mais le choix de route que vous avez pris ne vous le permet pas. C'est-à-dire les choix RP qu'on a pris.
On a fait un truc qu'il fallait pas. Est-ce que c'était le gamin qu'il fallait pas tuer? Parce qu'ils veulent tous tuer. Ah ouais, c'est bien, je vais faire une run massacre, hein. Et puis je ferai la run... comment on appelle sur Undertale, la run pacifiste. C'est tout seul de mon côté, quand j'aurai fini le jeu dans un an et que je voudrais redécouvrir le début du jeu que j'aurais oublié. Vas-y, viens. Viens, Victor. Viens, on se la met, là. À tête, à tête. Ok, t'as eu les premiers coups, ok. Allez, à plus. J'ai pas tué tout le live, je ne sais pas de quel gamin tu parles, mais oui, vous avez fait un choix qui vous a fermé l'accès au buff qui fait que tu n'as plus besoin de lampe. Ah là là. Ah mais c'est... Maintenant que le choix a été fait... Est-ce que je devrais demander... Attendez... Attends, je vais prendre ton message et je vais l'envoyer aux deux zigotos. Hop. Donc voilà. Ça sent la bouffe de ouf là. Bah Sheka il dort là. Ouais mais Animus il se réveille lui. Lui c'est... Au Québec le soleil vient de se réveiller. Là, ça me donne trop les crocs, putain. Ça sent la grillade là. J'arrive pas à identifier quel type de grillade. J'ai faim, putain. Ça, je peux te donner l'impression que eux ils l'aient. Si tu leur communiques pas, ça change rien. De toute façon, a priori, c'est trop tard. Oui, bah. Non, vas-y. Non, mais. Vas-y, dis toujours. Où est-ce qu'on a fait une erreur au pire? Dis juste où est-ce qu'on a fait une erreur. Qui c'est qu'on aurait pas dû jouer? Ah ouais non, c'est trois coups, j'avais oublié. J'oublie. Corn punch. J'entends ça à chaque fois que je m'envole. C'est marrant, il avait pas son réservoir dans le dos.
Ok. Ok. Et dans celle qu'on a, ça ne fait pas avec les autres plantes lumières. Ah. Dommage. Donc on aurait dû le tuer. Pour une fois qu'on aurait dû tuer quelqu'un, putain. On l'a pas fait. Bon, en vrai, il était classe. Ah, j'ai pas eu d'autres quêtes. On a pas eu d'autres quêtes. Oui. On est imparable et moi je suis là avec mon bouclier. Tu vas pas m'avoir. Comme quoi, si la violence n'est pas la solution, c'est que vous utilisez pas cette violence. Non mais vas-y. Non mais si on suit chez K, on va buter des PNJ avant même qu'on ait pu avoir une quête qui nous propose de les tuer quoi. Moi, je me souviens de comment ça se finissait dans Far Cry 2. Hein. Putain, il était quel niveau ce bâtard? Bah tant pis, on va galérer avec notre lampe. Animus qui m'a répondu. Tu m'as fait dommage. J'essaie de m'entraîner à... Je sais pas si ça joue quelque chose dans le dos. Ah, j'ai loupé le dernier. Aïe! Fait la toupie là, mais c'était pas volontaire. Rajouter une mort parce que... The new world belongs to us. Ah ouais, non mais j'ai oublié ça. J'allais pas m'enfuir assez vite. Toutou.
J'ai toujours pas mon bouclier, hein. Il est bien utile. C'est con la mobilité en augmentant ça, ça devrait pouvoir m'améliorer au niveau du poids des armes que j'ai, mais. Mais non. Alors par contre, le baoul et le boulet, c'était un peu drôle. Parce que je mettrais pas autre chose à la place. Oh, vas-y, je lui balance des belles termites. Il aime pas trop les... pas trop le feu. Les humains. Les full pétrification. Supplément, soit tu me trouves du taf maintenant, soit je coupe internet. MD. Attends, mais c'est du plagiat Prince of Persia, ça? De quoi? Alors, l'autre jour, on m'a dit, ouais, je suis un whip parce que j'ai trouvé une faux. Et maintenant, on me dit, je suis un plagiat de Prince of Persia. Pourquoi c'est un plagiat de Prince of Persia? Comment va, Nabil? Et non, c'est pas trop le mood. Plutôt plagiat de Dark Souls dans les grandes lignes. Et pour... bah c'est un boss de Prince of Persia. Voilà, ensuite tous les... Moi pour moi je vois surtout Armstrong de Full Metal mais... Dark Souls, dude. Dude, quel rapport avec dude? Ah parce qu'ils ont il a un respirateur. Ah. Bah moi ce serait plutôt mélange Armstrong Bade. Armstrong de Full Metal... De FMA et... Bake de Batman quoi. Alors Nabil, qu'est-ce qu'il y a problème avec le boulot? Je suis désolé, j'ai déjà pas beaucoup de boulot pour moi, alors te trouver du boulot, trouver du boulot pour quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai plus la coupe de cheveux. Oui, je sais, il n'est pas que dans Dune. Ah oui, non, mais... Mais on a retenu que dans Dune, de toute façon. Il y a d'autres films d'auteur, là, un peu perdu, mais... C'est Timothée Humium. D'ailleurs, non, mais tranquille, les gamins mangeront des cailloux au gazon. Quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tes gamins? Tes gamins mangeront des cailloux au gazon? Ah, c'est un plat, je pensais que tu commençais à... À vouloir lancer des cailloux et de l'herbe sur des gens. C'est les cailloux, ça se cuisine dans des trucs gastro un peu en ce moment. Cailloux salade avec un peu de poisson. Et si tu coupes la moitié de tes repas aux cailloux, franchement, tu vas faire des économies sur le long terme. Et tu mangeras plus, tu te sentiras plus lourd après. Tranquille. Non mais ça va, cru il y aura plus d'électricité. On se chevrera en faisant des câlins, voilà, ça sent trop choupi. Bah ouais, voilà, c'est ça. Bah, franchement, si vous avez froid, vous mettez des doudous quoi. Comme disait le gouvernement. Si vous avez froid, mettez pas de chauffage, mettez des doudous, non. Surtout. Il est con.
Moi aussi. Laisse-moi faire mon coup. On va jouer à un squat chez toi. Ah, je connais des adresses pour des squats si tu veux. Bats les couilles de ton explosif, mon frère. J'aime beaucoup trop. C'était osé, c'était... Je me suis dit, il faut que je charge mon accumulateur. C'est pas du tout. Bon bah, on est à 12 morts. Hein. Ah, il reste 35 minutes. Ah mais des fois, vraiment c'est toujours... Parfait. Non, des fois je tente des moves. Ça n'a aucun sens. Je devrais pas faire ce genre de move. C'est la panique de mourir en fait me fait faire des moves vraiment débiles. Allez c'est pas grave, on est reparti. T'auras même pas le temps de faire ta petite petite parade. Et dans le cul.
Laisse-moi passer! Non mais tu t'arrêtes jamais avec tes combos! Je l'ai loupé, mais quel sac à merde. Trop greedy. Changé au Aléou quand même, et un peu moins de fourrure, un peu moins de cheveux quoi. On l'a essayé de le ramener à la vie, mais il a perdu tous ses poils. Bon, c'était pas mal, mais c'était pas assez. Faites mieux. Quelle heure? 21h31, c'est bon, il me reste une demi-heure encore de galère. Demain Interville, pétable. On va voir. Vas-y, viens. Ouais, il est venu très vite. Ouais, pétable si j'arrive à... si j'arrête de faire de la merde. C'est bien, je me suis soigné avant. Ah ouais, non mais... excuse-moi l'allonge. J'ai mis 2-3 petits coups avant. Non. Non, je m'entraîne comme ça.
J'ai fermé beaucoup de heal super tôt, ouais, je sais, je sais. Ah, je m'entraîne quand même. Je m'entraîne quand même sur ces perfect guards. Mon doigt qui commence à être en sang. Pas les meilleures gâchettes hautes sur cette manette, je trouve. Je trouve elles sont un peu dures en fait. Complètement du Hell of Fate. Aïe. Il me saoule avec son coup de pied. Aïe. Ouais, c'est foutu. Deux 352, 1045 de devant. J'ai du mal avec cet enchaînement. C'est pas grave, c'est pas grave. On est reparti. Combien de morts alors déjà? Voilà. Petite prédit. Perdez votre argent. Donc moi je me sale. T'excites pas. 1054, j'avais dit dans le dos et dans le dos. Ah, c'est la même chose. 1099. Un peu plus dans le dos quand même. À peine plus, ouais.
Genre tu m'as touché là. We are the reborn. Mais en fait c'est l'arco Beneo de Katigue. Why be humble? I am evolved. A better man. Mais dis pas qu'il y a une phase 4 avec un autre mec. C'est STP. Une phase 3. Bonjour, mais c'est Voldo. Et Voldo, qui c'est? C'est Vedidi? Ah non, c'est pas Vedidi, c'est l'alchimiste à la con qui est derrière tout. Enfin, on le rencontre. Ah, je suis désolé, par contre, c'est Voldo de ouf. Hein. Oh, t'as une sale gueule. I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. Ok, enculé, tu veux pas descendre 5 minutes, on parle. For a long time.
We used to be colleagues, you know. Ah, laissez-moi deviner, vous avez pris des carrières différentes, des chemins différents. Alors, en même temps, oui. Le méchant, oui, c'est lui le méchant. Bon, il l'avait teasé déjà un peu. Such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring. Is it not? Oui, on va dire ça. Surtout des cuves de Bacta un peu partout. Ancré ici. Donc, espoir d'un remède. I have to admit some surprise. I didn't expect you to be as rational as we are. I'm impressed, even if it's a lie. I'm sorry, I underestimated you for being a puppet. You're open-minded enough to hear the truth about the petrification disease. The disease does not signify death. It's the process of purifying. Ouais, on a compris, les zombies c'est l'évolution humaine, tout ça. Ah oui, bien sûr. Disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes. The ergo you use as your power was once a human being. Quoi? Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its ability. Ah bah j'ai vu, j'ai bloqué une très jolie fossile. Une très joli faux. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph first. Ah mais t'inquiète, je viens, j'arrive. Perhaps éclater le cul. You'll make a futile effort to stop us. Maybe the Sainta statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting. Une évolution, je dirais. Il y a d'autres évolutions possibles. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, bah oui, tu m'as envoyé ton gros bras de mort, hein. C'était la galerie de la statue de la Sainte Miséricorde. Il n'y avait pas une porte que je pouvais pas ouvrir. Il m'a donné un truc. Est-ce qu'il m'a donné un truc? Ergo de champion ressuscité. Victor a été considéré comme l'être vivant ultime et a juré une obéissance absolue aux alchimistes. Voilà, ça a mal tourné pour lui. Alors monsieur, pas de torche magique, ça va? On en parlait. Ça va? Vanny? The Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Ok, un long couloir et obscur. Ah! Putain, les connards! Bonjour! Annie a le new PC, mais flemme de l'installer maintenant. Ça te va te prendre 20 minutes. Il semble que toi et moi share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. You got that right, sister. Our power is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. Ah bah ouais, t'as rien, vous avez rien fait quoi. Please. My young brother here is. J'ai des baguettes à faire avant. Ah, tu veux transférer de l'un à l'autre? His windows to the world, to a terrible. The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promise. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, I
for a fellow who raided... Please! The gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Qu'est-ce que tu lui dis? The gold coin fruit is the only thing that helps. Can you spare any? As a personal favor? Ouais, vas-y. We knew you were a true friend. Allez, je suis un pigeon. J'en ai GDD externe. I liked you from the start, you know? Just had a feeling. Comment ça? If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying. Ah, vous bossez pour les connards. You'll need to go on without us. I won't ever forget your kindness. Now go. Je te supplie, MDR. Honestly, I didn't really expect you to bring us a damn thing, and yet, thank you. Truly. I'm not saying I'm ready to set. I never forget a friend. Honestly, I didn't really. Ok. Une copie sur mon HD pour ne pas rien perdre. Wow. You need me? I was surprised when the bell rang. La cloche et le clochef. The Isle of Alchemists, you say. And monsters. This is an island. It is their secret island. A place hidden. What about? I don't know if there. Il faut du carburant. Still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. Et l'ergot doré. Well, Pulcinella did a lot of the heavy lifting. Has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. Le plaisir. Résultat, je vais où là comme ça là. Ah, la clé, oui, ça y est, je me souviens où c'était, putain. C'était là où il y avait le. Donc là, je suis où là? Where am I? Où est-ce que je suis? Ah, de tramway des monastères, une soirée après la pluie. Ah! Les marais. C'est pas des marais ça, c'est une décharge ça. Je vais te tromper de mots messieurs. Une décharge à marionnettes. Il y a des marionnettes partout. Oh, ça pue encore. Fragment d'ergot resplendissant. Le guide des attractions de Crate de Venini. Attraction du... Moi, les marais stériles. Nous aimerions vous présenter un endroit spécial différent de toutes les attractions précédentes. Et quand nous disons qu'il est spécial, il n'est pas dans le meilleur sens du terme, évidemment. Il pourrait satisfaire certaines personnes au goût particulier, mais les aventuriers qui veulent tout savoir sur Crate doivent aussi connaître ses sombres secrets. En ce sens, les marais stériles enferment justement certains des sombres secrets de Crate. Les marais stériles, c'est là qu'on se débarrasse des marionnettes désarticulées. Ce lieu, composé de marais et de ravins, est resté à l'écart du développement de la ville par le passé. Il a brièvement servi de mine de charbon, mais vite a été abandonné au moment de la découverte de l'ergot. Plus tard, quelques entreprises s'en sont servies pour soigneusement commencer à se débarrasser des marionnettes désarticulées, créant de fait une décharge illégale. Aujourd'hui, les marécages sont remplis de marionnettes cassées et d'animaux corrompus. C'est le tombeau de Crate. Heureusement, la ville a annoncé qu'elle allait transformer les marais stériles en parc à la veille de l'exposition, bien sûr. On voit le joli parc là. Il y a donc de l'espoir, c'est un véritable tombeau infernal. Que diriez-vous de voir cet endroit de vos propres yeux avant qu'il disparaisse? Bonne ou mauvaise, ça reste une expérience. 2,5 sur 5, une attraction pour quiconque souhaite voir la face cachée de Crate. Des bottes sont recommandées. Ce guide a été réalisé par le soutien de l'entreprise Venini. Ok, donc prochain arrêt, le marais. Mes résultats. Moi, je vais retourner salle de conférence de la grande exposition. Ok, alors, donc, de ce que je pense,
Non, c'est de l'autre sens. Non, c'est là. On a bien avancé ce soir. On a gagné une petite heure sur le boss, je crois. On a fait qu'une VOD, voilà, il s'est passé que ça. Que cette VOD. La dernière VOD, ça sera que le boss. King Kong est pas là. On y reviendra pas, c'est un boss unique. Alors la clé par contre, je pense que c'est ça, et je crois que c'est ce qu'on m'avait... Je me doute, c'est ce que m'avait spoilé le chargement. L'endroit où je vais pouvoir... Oula. Oula, la porte est lourde. Oh. Ah, madame la bonne fée. Si vous faites là... Oh, c'est très joli. C'est... Vous pouvez effectuer une réinitialisation système à l'aide de la statue de la Sainte Miséricorde. Les fruits de pièces d'or peuvent être consommés pour réinitialiser votre niveau organe bras de légion. Plus vous effectuez des réinitialisations... Ok. Bonjour. Sorry to startle you. It seems that the power of the listener within me, the power to hear Ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible. C'est bon, Magnus, là, le connard qui a dû me parler. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. Oh bah oui, effectivement, ça a l'air d'être un connard. Dangerous man in Krat. He spreads. Simon wants to evolve a new world in Krat. That's why I woke you up. If you find the Isle of, I will help as much as I can, of course. Vous êtes notre dernier espoir, Obi-Wan, j'ai compris. Whatever choice you make, I shall wait. Plein de trucs. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. Moi je suis un pied, c'est l'équivalent de mon talent. But now I understand. Ergo reached out. Wanting someone to hear it was, or maybe it wanted some, but the alchemists have tainted everything. Like many of their creations, it's tragic, but useful. If they get the chance, the alchemists might force me to make such a tree for them. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. Collect gold. Oh, c'est ce qui est prévu. Let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their la nature de Ergo. Puppet frenzy. And Ergo is ah, ça, on s'en doutait un peu. Made from the petrification disease. It contains the that's why puppets sometimes awaken their old selves. D'accord. Someone else's Simon coveted Ergo's power. And he noticed that the process of curing the petrification disease, Krat became a city of monsters and a king of puppets. Tried to stop Simon. Now, our only hope is. Alors bonjour madame, enquêtez. Vous, marionnette qui avait une nouvelle vie, offrez des fruits de pièces d'or. Oh, this device must be powered by gold. Réinitialiser l'organe P. Ah ouais, carrément, réinitialiser le bras de Légion. Ah. Ah, ça me redonne mes... Ok, reset mon anu, s'il te plaît. Pourquoi tu as mal à ton anu, Annie? 12 quartz. Ah, ok. Réinitialiser le niveau. Et je récupère 169 000 d'ergo, c'est tout ce que j'ai gagné? B, C, A, D, technique, mobilité, technique, mobilité, technique, trois exemples que j'aime bien,
Mobilité progression. Ouais, c'est ça qui est chiant. Oh, j'ai mis une manivelle de progression. Moi, j'aime bien la bobine électrique, mais je préfère la fossile. Alors que si je pouvais améliorer la fossile, mobilité baissée. Ouais, mais j'ai peur de... Ah, un Stargaze directement ici. Monter de niveau. Ouais, si je pouvais mettre tout ce que j'ai de progression en technique. Pour faire un peu plus de dégâts, parce que là, ma fossile, elle tape dans le vide, quoi. Moi, j'ai pas trop besoin de me... Au moins que je revienne à ça, maximum 18-18. Ouais, l'endurance à un moment... L'endurance à un moment... C'est vrai que je pourrais me contenter juste d'avoir une arme. Mais bon. On va aller à l'hôtel Krat, il y a plein de gens qui ont besoin de me parler là-bas. Hôtel Krat, petite sauvegarde. Ah, la madame elle est là-bas. Plein de trucs. Elle est trop slack. Je vais comprendre. Sur ce, la rediff, let's go. FC24. Quoi? Football Club 24? Quoi? FIFA Club? Qu'est-ce que c'est? Sur ce, la rediff, je vous fais des gros bisous salés. N'oubliez pas la recette. Les cuisines font un rapport et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures sur ta pub Xbox. Oui. De nos aventures sur... Ah, c'est mon drift. Sur Lies of Timothée Chalamet.